Même si le juge a qualifié son témoignage de malhabile, Philippe Hamelin continue de nier les faits et de clamer son innocence. Je ne suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. Sans ma femme, mes enfants, ma mère, j'aurais jamais réussi. Jamais. Moi, quand j'étais jeune, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pour ceux qui se demandaient, je viens de recevoir mes résultats au test. Oh, coronavirus négatif. J'ai pas le corona, yes! Voilà, c'est quand même mieux que le métro. C'est rien, elle a seulement besoin d'utiliser l'ascenseur. Attendez! Mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de pute! Qu'est-ce que c'est que ces gens? BDH! Je vais appeler mon grand frère, ok? Regarde, il est là! Qui c'est qui a touché à Dario? Андрюх, иди держи. Она шатает, серьезно. Ну, ребята, помоги, не подержаться, все. Нормально. Андрей, держись, а вот она шатает, нереально. Еще разочек. Là, c'est moi. Il est clair qu'il y a quelques petites choses à revoir dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Saddam Hussein, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pardon, Sami Aoun. Pardon, vous êtes canadien? Vous avez l'accent? Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone québécois-canadien. Ah, c'est certain. Un Québécois d'expression canadienne-française-française. On est des Canadiens, ah, oui, Américains, francophones d'Amérique du Nord. Oui, des Franco-Québécois. On est des Franco-Canadiens c'est du Québec. Ça. Des Québécois canadiens. Les deux. C'est ça. Sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture. L'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas dotées de super pouvoirs. Vous croyez tout simplement qu'ils ont jeté la serviette parce qu'ils ne croyaient pas réussir à obtenir gain de cause? Allez-y, je vais vous laisser le fermer. Non. Ça, c'est de la télévision en direct. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Il va se... Flèche explosive. Ah, tous ces salauds. Arrête de m'appeler frère. Tu me déranges, ma gueule. Tu me déranges. Laisse-moi. M'appelle pour rien. Vous avez pas de permis sur vous? Ah bon? Je vais prendre votre nom. Comme ceci? Non, le H avant le A. Est-ce que c'est astrologique? Capricorne? Vous m'avez dit quelle date de naissance? 7/8/95. Bon, on va pas aller, je vais vous dire, je vais creuser jusqu'au bout. Dites-moi que vous n'avez pas le permis, ça sera plus simple. Voilà, vous n'avez pas le permis. Elle nous dit qu'elle est née en août, on lui a dit le signe astrologique, elle nous sort Capricorne. Bon, manque de peau, je suis également Capricorne. Donc bon, ça ne coïncide pas. Et c'est à cause de ce petit élément que, bon, après, face à la contradiction, elle a avoué qu'elle avait pris le nom d'une amie et donc qu'elle conduit sans permis de conduire. Le gouvernement ontarien hausse le ton face aux écoles de conduite. Les standards de qualité augmenteront d'ici un an. Je vous en parle.
Claude, maintenant. Hey, tout un mot aussi pour Kevin, calice. Commençant par toi, BD. Hey, dis un mot pour Kevin. Kevin, mon fail, mon tabarnak. T'en as si trop de cul. On marque ça à la face, Kevin, c'est lui là. C'est moi. Toi, c'est moi, Kevin, je suis content d'être venu chez vous, ça fait longtemps que je l'ai vu. Oui, ouais, gros. Bonne fête, Kevin. Merci. Ouais, c'est un mot pour Kevin. Hey, bonne fête, mon Kev. Si, fais attention à toi. 24 ans, ça bosse vite, hein. Ouais, un petit mot pour Kevin. Mange la marde. Ouais, toi. Mange ma saucisse. Tu vas manger notre marde, tu vas ouais, je te regarde la manger ta saucisse, fais-nous un show. Ah, ben, trop chaud. Kevin. Ah ouais, Kevin, continue comme ça. Ouais. C'est le même.